Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler un petit peu d'une nouvelle collection qui est sortie chez Altaïa. Comme je l'avais déjà présenté la dernière fois, c'était avec les figurines de Naruto d'ailleurs, qui sont dans les vitrines maintenant. Là c'est une collection un peu spéciale parce que franchement elle est monstrueuse, de toute façon vous l'avez vu forcément la miniature. La collection pour faire une taille assez monstrueuse qui fait au moins plus de 60 cm de haut, le Optimus, le tout premier Optimus Prime du premier film du coup, qui a l'air vraiment d'être une dinguerie complète. Alors je sais pas combien de temps il y aura de numéros, donc là j'ai reçu le premier colis avec le numéro 1 et le numéro 2, donc on va aller regarder un petit peu à quoi ça représente, enfin plutôt qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, parce que je l'ai juste à peine ouvert, j'ai pas encore ouvert le truc. Donc du coup, forcément, petit à petit, quand ils sortiront, normalement ce sera un par mois je crois, ou un mois et demi après, parce que ça sera après 6 envois, donc ça sera un par semaine qui sort normalement. Donc du coup, je ferai petit à petit la construction, et même à la fin, je ferai d'ailleurs un petit truc où il y aura toute la construction entière. Il y aura même, j'ai pris la collection entière premium avec l'énorme vitrine et tout, donc ça va être un truc de ouf. Vraiment, la figurine, elle a l'air d'être une qualité vraiment folle. Donc du coup, j'ai le colis devant mon nez. Ah oui, d'accord, donc ça se présente comme... Bah, ouais, c'est plutôt bien emballé, ah d'accord. Bon, il y a un petit truc emballé. Donc du coup, là, de ce que j'ai cru comprendre sur le premier numéro, on a la tête entière. Donc il y a même le tournevis avec des petites vis, donc c'est un truc un peu en métal avec de la résine, je pense. Et donc du coup, on a aussi le numéro 2 avec, avec un torse, en fait, hein, tout simplement. Un torse. Donc là où il y a le All Spark, donc en vrai j'adore tellement cette figurine qui va sortir. Donc là en gros il va y avoir pas mal de trucs, les vis elles sont minuscules, ça va faire quand même pas mal de trucs. Donc on a 3 vis, enfin 3 piles aussi parce que du coup il y a les yeux qui s'allument je crois. Et les deux fascicules avec, si je dis pas de bêtises, donc un peu d'histoire par rapport aux Autobots, donc si vous êtes fan c'est parfait. Alors il n'y a pas de poster, parce que parfois moi dans celle de Naruto, ça me faisait chier parce qu'il y avait la moitié qui couvrait, c'était un poster en plein milieu, et du coup bah t'enlevais les descriptions sur le côté, donc c'était pas ouf. Et du coup on a donc on a des trucs pour les figurines, donc on a surtout de quoi faire les schémas, voilà, les schémas pour les crafter et tout ça. Donc en plus il y a les machins électriques, étape par étape, franchement ça promet de ouf. Donc là il y a l'étape 1, donc là voilà, tac. L'étape 2, enfin le magazine numéro 2, bah là c'est pareil, hein. En gros il nous montre les trucs par rapport au film et tout ça, d'accord. Donc là il y a le Megatron. Et il y a même les trucs par rapport aux anciens, enfin jeunes dames j'allais dire parce que c'est les robots, aux anciens Transformers. Franchement ça va être très stylé. Et ça par contre c'est quoi ça? D'accord, donc là on a... Ah c'est un truc qui se plie. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi. Une tête de... Dans les précommandes. Une tête de 12 cm environ. Donc avec le piédestal pour le mettre à côté. Donc c'est cool. On va ouvrir ce truc. Donc là, si je me plante pas, c'est à ça... C'est à ça que le truc ressemblerait. Alors il est peut-être plus gros, un petit peu plus petit je pense. Mais voilà la dinguerie qu'on va construire sur la chaîne tranquillement. C'est une beauté sans nom, je pète les câbles. En plus il y a les armes à feu plus l'épée. Donc en vrai ça fait de belles poses. En plus elle est articulée et tout ça. Donc franchement ça promet d'être beau. Donc du coup on va passer à la première construction, donc le numéro 1 et le numéro 2. Et on fera ça petit à petit, mois par mois du coup. Mec il va m'ouvrir en deux et il va me cracher dans le cul. Mais gros! Moteur.
moi je t'aime si jamais. Mais je t'emmerde! Ferme ta gueule! Vas-y, saute, père neuf de vie, enculé! Bon bah nous voilà à la fin du numéro 1 et du numéro 2, donc du coup nous avons un peu la moitié du torse avec donc le devant du camion et tout ça, donc avec les trucs, les essuie-glaces, et surtout la tête entière avec le numéro 1 en entier, que je trouve splendide, franchement, vraiment c'est une tuerie, surtout qu'en plus, bon bah voilà, hop, ça s'allume les petites lumières et tout pour les yeux, là. C'est d'une... telle beauté, alors c'est encore plus beau quand on le voit en vrai, parce que sur la caméra, le retour, et même par contre, c'est super lourd, hein. En tout cas, du coup, on se retrouve sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On fera ça, bien entendu, tous les mois, à chaque fois que j'aurai un nouvel envoi, même si après, ça sera toutes les 6 semaines, normalement. Et donc, je ferai la construction, donc même si j'avoue que j'ai hâte d'avoir la truc, bon, ça sera peut-être dans 2 ans que j'aurai l'intégralité. Peut-être que ça nous aura donné envie à certaines personnes de faire la collection. Mais bon, en tout cas, moi, je sais que je vais kiffer, donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde.